Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le retour sur iRacing se fait aujourd'hui pour la découverte de deux nouvelles voitures. En effet, la mise à jour de décembre 2018 est sortie ce mercredi et je vous propose aujourd'hui de découvrir deux monoplaces qui ont fait leur apparition in-game. Alors les deux voitures sont évidemment payantes et dans cette vidéo, on va s'attarder sur le cas de la Formule 3. Une voiture bien connue puisque cette discipline existe depuis les années 50, même l'après-guerre. Une discipline qu'on va passer un petit peu en revue dans cette vidéo. Alors je commente au moment où je conduis. J'ai déjà fait un petit tour pour voir un petit peu comment cela marchait. À mon avis, il va falloir travailler un petit peu sur la balance des freins de l'auto. Mais on va surtout la mettre en température. Alors cette voiture est disponible sur iRacing, donc avec la mise à jour. Ce n'est pas la seule. La Formule Renault 3.5 est également ajoutée dans le store, ainsi que deux circuits. Le circuit de Charlotte version Roval qui a fait son apparition cette année en NASCAR, ainsi que le circuit japonais de Tsukuba. On y reviendra peut-être sur Tsukuba dans une future vidéo. Pour l'instant, donc, ces deux voitures sont disponibles au prix de 13$, ce qui fait avec la conversion des taxes à peu près 11-12€, hein, comme toutes les autres voitures. Et hop, on va essayer voilà, de ne pas se mettre dedans dans Spoon, parce que la voiture a l'air d'être assez difficile au niveau de l'équilibre à froid. Alors peut-être bosser un petit peu. La répartition des freins, tiens c'est marrant, ça bouge derrière quand je change les freins sur la voiture, derrière la main gauche, regardez, hop hop, c'est assez marrant d'avoir ce petit détail. Alors le 130R passe-t-il pied à fond? Oui, sans problème avec le châssis et l'appui aérodynamique de cette voiture, ce serait bien triste que ça ne soit pas le cas. La chicane Casio. Alors évidemment, vous aurez reconnu, deviné peut-être même les couleurs de la Dallara de l'équipe Carline de Sacha Fenestraz. Le pilote a roulé aux couleurs vaillantes lors des deux dernières éditions du Grand Prix de Macao et je voulais profiter en sélectionnant cette petite équipe bien sympathique de F3 qu'est Carline à rendre hommage à monsieur Michel Vaillant. Et alors là, je rends plus hommage au leader qu'à Michel Vaillant avec ce petit attaque. Alors comme je vous le disais, une voiture qui n'est pas forcément simple de prime abord, très joueuse du train arrière. On va répartir un petit peu mieux tout ça pour essayer de trouver le bon compromis, le bon équilibre. Alors c'est une voiture qui fait un petit peu polémique, il faut le dire, avec cette arrivée dans iRacing. Pourquoi? Eh bien parce que via des voitures de cet acabit, eh bien on n'en manque pas. C'est vrai, entre la Formule Renault 2 litres et la Mazda Pro Series, c'est déjà deux disciplines qui fonctionnent très très bien dans iRacing. Alors pourquoi ajouter de la Formule 3? Eh bien simplement parce que iRacing en avait acquis la licence, tout comme la 3.5 d'ailleurs depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, le championnat étant mort, iRacing se dit tiens, on va surfer sur l'actu et on va proposer une voiture qui n'existera plus, peut-être simplement pour la postérité de cette catégorie. Alors attention, quand je dis que la Formule 3 n'existera plus, ce sera sous son format actuel, hein, attention, que ce soit bien précis. Donc l'arrivée de cette voiture dans iRacing fait un peu polémique puisque les pilotes et les joueurs se disent pourquoi repayer une voiture alors que les calendriers sont assez proches, voire identiques de ce que propose la Formule Renault 2 litres. Eh bien parce que tout simplement ça n'est pas tout à fait la même mayonnaise. Là où la Formule Renault 2 litres est peut-être plus facilement collée au tarmac du circuit, ici vous avez une voiture peut-être un petit peu plus vive. On va jeter un coup d'œil ensemble aux spécificités alors que je continue d'essayer de ne pas me planter. Ce qui est un petit peu l'objectif de cette découverte, hein, puisque voilà, quand on prend une voiture en main, des fois, on arrive à se planter. Alors la catégorie a été créée, comme je le disais tout à l'heure, en après-guerre, après les années 50, pour pouvoir rouler avec un petit budget. Alors il y a eu plusieurs choses, il y a eu le championnat du monde qui a été créé en 83, on pense à notre ami Ayrton Senna, mais c'est une catégorie qui a évolué, surtout en championnats nationaux. Le championnat d'Angleterre a été extrêmement relevé, le championnat d'Europe également, avec des noms que l'on connaît bien et des titres qui ont été récemment pris par des pilotes qui sont aujourd'hui en Formule 1 ou pour d'autres dans de grandes disciplines. Alors dans l'ancienne version, il faut avouer que dans les années 90, la Formule 3 n'avait pas son mot à dire parce qu'elle n'existait pas de... C'est pas possible. De 91, j'ai vraiment du mal dans ce virage, dans l'entrée DS. De 91 à 98, elle n'existait pas pour ça, pour les bonnes raisons, qu'il y avait la Formule 3000. Celle-ci étant disparue en 99, eh bien on a pu tout simplement récupérer cette Formule 3 comme on l'aimait, même s'il y avait évidemment des petits formats de Formule 3 de manière assez intéressante. On suivait notamment Jenson Button, hein, dans ces années-là, ou encore Tom Coronel en Allemagne. Benoît Trélier l'a remporté comme cocher, ou Ouderlo, des pilotes français que l'on connaît bien évidemment, hein, notamment Benoît Trélier pour son aventure au Mans. Mais on connaît depuis la nouvelle version de 2012 beaucoup plus de noms évidemment de champions de cette Formule 3, qu'on peut appeler Formule 3
Euro-Series, on va l'appeler comme cela, hein, finalement, au-delà du Grand Prix de Macao spécifiquement disputé en fin de saison. On retiendra bien sûr des moteurs Mercedes et des châssis d'Alara, donc ce châssis F312, les titres d'Ocon en 2014, de Stroll en 2016, Norris en 2017, et pour l'année 2018, la dernière année d'existence véritable de cette discipline, eh bien, un certain Mick Schumacher avait remporté le titre il y a de cela quelques semaines. Alors cette voiture existe avec beaucoup de moteurs, évidemment, moteur Volkswagen, moteur Mercedes notamment cette année, mais Opel a aussi motorisé la Formule 3, tout comme Honda aussi à son époque, selon un petit peu où vous évoluiez dans le monde. Donc ce châssis est donc équipé d'une boîte de vitesse de 6 rapports, d'un moteur de 250 chevaux, d'un poids compris avec le pilote de 576 kg sur la balance, d'une boîte 6 vitesses, donc comme je le disais, des pneus en Cook, une marque qu'on connaît surtout pour avoir évolué en DTM, aussi en championnat japonais de GT, je pense. Je crois que l'on a fait un petit peu le tour de cette catégorie et de son histoire. On va se concentrer un petit peu sur le son et la réalisation de la voiture. Alors visuellement, c'est plutôt réussi. On notera évidemment que, comme dans la réalité, le rétroviseur est plus haut à gauche qu'à droite, puisqu'il faut passer au-dessus de cet appât 10 qui, si vous ne le savez pas, est l'entrée d'air du moteur, qui n'est pas situé au-dessus, au niveau de l'arceau, mais bel et bien sur le côté. On peut même d'ailleurs changer le côté, je crois, selon le type de circuit. Enfin, c'est assez particulier. Et donc cette voiture qui propose dans le jeu iRacing quelques petites options sympas au niveau du kit aérodynamique notamment. Et un son qui, pour de la Formule 3, a l'air très convaincant. Et je vais vous laisser tout simplement en juger, que ce soit en vue embarquée ou en vue extérieure. L'occasion peut-être d'apprécier cette livrée de Sacha Fenestras, que je vous proposerai évidemment en description sur le site Trading Paints.
Allez, voilà pour ce petit tour d'ambiance avec cette F3. Donc très très sympa à piloter. Quand on se concentre un petit peu, ça va beaucoup mieux qu'en racontant sa vie. Globalement, c'est plutôt satisfaisant. Alors, y a-t-il des différences par rapport à la Formule Renault 2 litres ? Oui, je trouve que la voiture ici a l'air beaucoup moins facilement collable au bitume. Elle a l'air d'être plus agressive, plus à même de vous surprendre. Là où la Renault 2 litres, dans certains virages, vous mettez le pied dedans, même avec un setup de base, et ça bouge pas. Ici, je pense qu'il faut un peu plus se donner du mal, mais ça reste parfaitement, parfaitement logique. Alors, pour laquelle faut-il craquer ? Faut-il craquer pour la Formule 3 ou pour la Renault 2 litres ? Alors, je pense que ça se jouera surtout au circuit que vous avez acheté, parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste financièrement tout de même très important comme budget, et que le circuit que vous avez dans votre bibliothèque iRacing correspond à la voiture et à son futur calendrier pour la prochaine saison, la première de 2019. Pour l'instant, on est en ce qu'on appelle en 13e semaine, donc pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose sur iRacing, on teste un petit peu. Mais c'est vrai que pour la première saison de 2019, il faudra faire un choix. Alors, est-ce que ça signifie la mort de la Pro Mazda ? J'en suis pas si sûr parce que effectivement, les Américains notamment sont très attachés à cette Pro Mazda, ce qui n'est pas forcément notre cas en Europe. On connaît un petit peu moins la discipline, là où la Formule 3 est au contraire beaucoup, beaucoup plus développée, beaucoup plus populaire. On le voit d'ailleurs avec les skins proposés sur les voitures, hein, ça nous rend déjà hommage à beaucoup de choses dans l'histoire de la F3 sur le site Trading Paints encore une fois. Je peux pas estimer que cette voiture est inutile dans iRacing, contrairement à ce que disent ça fait rien, c'est un doublon. Bon, ok, ça peut paraître un doublon, je suis d'accord. Hop, et bien voilà, j'ai failli faire une de le court, mais j'ai tapé, donc je pourrais pas le sortir, j'ai pas tapé. Allez, hop, on va repartir. De toute façon, on va en rester là pour cette sortie. On va essayer de ne pas speed dans la pit lane. Mais globalement, je suis pas contre cette voiture. Je l'ai achetée et je trouve que pour son prix, elle est fun, elle est sympa. Maintenant, il faut voir le calendrier, il faut voir ce que ça va nous proposer dans le futur. Après, au niveau des formats de course, je pense qu'un sprint comme la 2.0, ça peut être sympa. Ça peut également être aussi une alternative pour monter en 3.5. Alors, dommage que c'est pas désormais à la Formule Renault 2 litres ou à la Mazda Pro de devenir carrément gratuite dans le jeu et de proposer vraiment une expérience de monoplace qui attirait ensuite les pilotes soit vers cette nouvelle F3, soit vers la 3.5. En tout cas, moi j'ai pris pas mal de plaisir au comportement de cette voiture. Je peux vous dire, donc elle est très joueuse du train arrière, vous l'avez vu, avec les pneus froids, faut pas essayer de faire le malin dans les premiers tours, sinon on se fait très vite piéger. Je vous donne rendez-vous très vite pour le test de la Formule Renault 3.5, je vous l'insérerai sans doute en outro de cette vidéo, et vice-versa pour l'autre vidéo. Donc si vous avez vu celle-ci, allez voir l'autre. Si vous avez vu l'autre, merci d'être venu voir celle-ci, et on se donne rendez-vous peut-être pour quelques courses. En tout cas, j'ai hâte d'être en 2019 pour vous proposer des lives sur iRacing avec ce genre de monoplace qui correspond un peu plus à ce que j'aime, et j'ai vraiment envie de vous emmener avec ces deux monoplaces en piste. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette découverte. Si vous aussi, vous avez testé cette Formule 3, eh bien n'hésitez pas en commentaire à me donner votre ressenti. Je suis là pour vous écouter et partager vos expériences, bien sûr. Merci à toutes et à tous de votre attention. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste, les amis, quelle que soit votre simu favorite. À la prochaine. Ciao. Tiens, moi, je vais refaire un tour parce que j'aime bien. Allez. Allez, salut !